Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Un nouvel épisode dans une nouvelle partie. Et oui, car malheureusement, je suis mort plusieurs fois depuis les lives de la semaine dernière. Et je reprends la vidéo ici. Vous voyez, jour 13, niveau 27, je suis descendu dans une grotte et je suis tombé sur l'antre du Breeze. Alors avant de partir trop loin, je me suis dit je vais essayer de remonter un petit peu pour voir ce qu'il en est. Et quand j'ai vu la pièce dans laquelle je suis arrivé ici, je me suis dit qu'il fallait absolument que je filme, que je tourne cette vidéo parce que je n'ai jamais vu ça. Me voici dans une pièce qui, j'imagine, doit permettre de se reposer. Pièce très très étonnante. Et regardez-moi ce qu'il y a là-dedans. Un casque solidité 2, une hache en fer efficacité 3, protection contre les projectiles. Donc ça, vous imaginez bien comment ça peut être utile quand on est à l'intérieur là-bas. Et une pioche en fer qui correspond aux pioches que j'ai déjà échangées avec les villageois, comme d'habitude. Alors, je vais m'empresser de faire le plein, de changer mon casque tout bête par un casque protection. Non, en fait, je vais garder celui-là et je vais me débarrasser de ces autres éléments qui ne me serviront pas. Et je pense que je vais aller me faire un petit enchantement qui va comprendre ces deux éléments-là, solidité et protection contre les projectiles, pour avoir une armure extraordinaire. Alors, je suis un peu épaté, donc là je pense que je suis arrivé tout en haut. Pas sûr, mais on va essayer pour voir. Ah non, il reste encore un petit peu plus haut. Mon objectif étant de remonter à la surface. Ah non, je suis toujours... Oh punaise. Alors ça, je crois que c'est la pièce d'accueil. Pièce d'arrivée, en fait. Et au-dessus, il n'y a rien d'autre. Vous avez entendu le bruit, on dirait un slime. Mais ça peut pas être ici. Oh, la clé des épreuves est là. Bon, la hache en bois, par contre, on va la laisser. Je vais aller me vider là. Ici. Vider toutes les roches là qui vont pas me servir. Même si j'ai envie de le conserver, moi je reviendrai de toute façon. Enfin, j'espère que je reviendrai. Hop. Parce que là, je vais vous avouer que je regarde. Je vais faire tout ça avec précaution. Ah, j'en reviens pas. Une clé des épreuves. Très bien. Je peux détruire tout ça. Donc ça, c'est l'endroit par lequel on arrive et ensuite, voilà, on va pouvoir commencer les épreuves. Alors, je suis vraiment pas prêt, hein, c'est... Voilà, on va augmenter la lumière ici. Vous entendez le bruit, comme moi. Là, ça pourrait très bien arriver d'en haut. C'est franchement flippant. J'ai presque envie de reprendre les pierres et d'aller bloquer ici pour que personne ne puisse descendre. Et je crois que c'est ce que je vais faire.
Hop. Alors le lit ici, je comprends toujours pas pourquoi. Et ici, rien ne m'empêche de casser. Et d'avoir de quoi remettre de la lumière par là. Waouh, c'est flippant. C'est très très flippant, je trouve. Mais non. Oui, d'accord, là je me retrouve ici. Ok, normal quoi. Donc l'ampoule en cuivre, bah maintenant on est éteinte, on va dire. Et il faudra que je la rallume. Alors je fais le plein ici et j'ai dit donc que je prenais. Déjà je mets de la lumière. Et je vais prendre ceci pour. Je ne parle pas beaucoup, je me concentre sur ce que je fais, juste de manière d'éviter qu'il m'arrive quelque chose que j'ai pas envie. Je me demande en fait si le bruit que j'entends c'est du vent, si c'est Oh, c'est génial. Une pioche déjà usée. Bon, bah. Le voilà. C'est lui qui faisait autant de bruit. Ah, c'est eux. Oh, un générateur de slime. Oh, c'est génial ça. Bon, génial, mais je suis pas doué et il y en a beaucoup trop pour moi. Ah, et vous voyez, donc comme je l'avais lu, effectivement, quand on termine de détruire tous les monstres ouf, qui sont liés au spawner, là, le spawner il s'est arrêté. Et donc normalement, il n'y a plus rien pendant un certain temps. Et là, c'est pareil, c'est terminé. Pour celui-là. Alors maintenant, est-ce que je peux ouvrir? Non, ça sert à rien. Ouh, bah dis donc. Donc premier niveau, pas trop compliqué. Et je ferme les portes. Ouais, j'ai pas été voir tout ce qu'il y avait là-haut.
Une hache, je prendrais bien, mais je remplace par quoi? Ok, des planches de bambou. Non, non, bah je monte pas là pour l'instant. C'est quoi ça? La mousse? La mousse, ouais. C'est ça. Ah, c'est de la mousse là aussi. Ah, ok. Alors ça, très utile quand on veut faire pousser, pardon, pousser, quand on veut faire grandir ou éclore plus rapidement un œuf de renifleur. Eh oui. Oh mais il y en a partout en fait. Bon, heureusement, il n'y a rien qui descend. Je me protège encore quand même. Mais techniquement, ouais, il n'y a rien qui va m'attaquer, je pense. C'est à moi de monter les différentes étapes pour ensuite avoir les différents adversaires. Ouais. Voilà, non, j'y vais pas. Vous l'avez entendu, ce sont les araignées. Là-bas, il y a quelque chose qui devrait spawner ou avoir spawné. Ça a ouvert quelque chose. Oh, ouais! Oh la vache! D'accord. C'est génial ça. Allez, je me débarrasse de ça. Et je vais voir l'autre. Ah! Oh putain, c'est quoi ça? Non, 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 non. Pitié. Oh là là, non. Ça fait trop mal. Vite, vite, vite. Oh là la vache. Lenteur. Et j'ai perdu 3 cœurs très rapidement. Ça fait trop mal. Bon, je vais y retourner juste pour aller chercher tout ce qu'il y a dans le... Alors, protection contre les projectiles, bah oui, si, si, maintenant je vais le prendre. Voilà, je nettoie. Fléau des arthropodes. Bon, sur une hache, je vois pas trop l'intérêt. Hop, faisons le vide. Et surtout maintenant, non, enlève-toi. Voilà. Allez, j'y retourne. Non, sans avoir rempli le cœur à fond. Donc il est là-bas. C'est bon. Donc là on a vu ça et là. Ah, tat 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 tat. Alors, s'il revient, est-ce qu'il est descendu?
Non, non, il m'a tiré de là-haut. Waouh! Quelle descente et quelle belle découverte! Que voilà, bah, je suis content de vous la partager. C'est la première fois que je rentre dans cette. Comment on va l'appeler? Comment elle s'appelle? C'est chambre d'essai, c'est ça l'intitulé exact. Et eh bien, je vais essayer de remonter tranquillement par chez moi. J'ai pas de quoi faire. Efficacité, solidité, c'est hop, ça, on garde. Ça, j'en ai pas besoin. Bon, le plus dur est fait. Ça, je vais garder pour ici. J'aimerais pouvoir remonter. Oh, toucher de soie. Canalisation, non. Toucher de soie. Deux touchés de soie. Ok. C'est vraiment très très positif. Protection 2. Bah, c'est la même chose, mais en mode un peu plus protégé. Génial. Bon, eh ben écoutez, je vais pas vous faire. Ah bah oui, il y a un arbre en plus, donc c'est parfait, c'est ce que je voulais. Zut, il y a de l'eau. Hop, n'importe quoi. Voilà, je vais m'occuper de cet arbre-là pour me faire. Désolé l'arbre. Un établi qui ensuite va me permettre par là-bas de continuer à me fabriquer des échelles de manière à pouvoir descendre. Voilà, c'est ça. Hop. Non, pas à descendre, à remonter, au contraire. Voilà, donc l'idée maintenant c'est de remonter, de retrouver la douce lumière du soleil. Et puis bien sûr de revenir ici pour poursuivre l'exploration de cette pièce donc toute nouvelle pièce hein, qui sera présente donc dans la version 1.21 de Minecraft mais qui est déjà disponible quand on joue avec le mode expérimental. Donc n'hésitez pas à essayer. Pensez bien à activer le mode expérimental dans la création de votre monde. Et puis, bah, amusez-vous bien avec toutes ces nouveautés. Là, je suis super content. Je vais peut-être pas revenir tout de suite, donc dans un épisode trop trop rapide. C'est quoi ça? Il me reste une. On essaye celle-là. Allez, attendez. Oh zut. Hop. Oh là là. C'est juste magnifique, quoi. Bon, c'est pas du. Oui, effectivement, on pourrait dire c'est pas de l'extraordinaire stuff, mais ouah, c'est quand même génial, quoi. C'est. Puis c'est gratuit. On vous l'offre, quoi. Allez-y. Bon. Voilà. Eh ben, je vous laisse donc sur ces dernières images. Je vais remonter au plus vite tout là-haut. Pour mieux revenir encore avec un peu plus d'équipement, un peu plus de stuff. Et il y a de quoi faire là avec tout ce que j'ai ramené. Et puis bah, commencement des éléments en diamant. Ce qui va me permettre par la suite, j'imagine, l'étape d'enchantement et choses comme ça. Je suis qu'au jour 13, donc j'espère que je vais durer encore pas mal de temps. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!